Julien Degnaud, je suis d'origine du Chesnay, en banlieue parisienne. J'ai 40 ans et là maintenant ça va faire 15 ans que j'habite ici à Barcelone et je travaille comme photographe, vidéaste et peintre, artiste entre guillemets. J'ai commencé comme hobby en fait à faire de la photo avec des amis comme ça à droite à gauche, à partir en session de skate et faire des photos de mes potes quoi. Ça devait être 98-99, j'ai commencé à être photographe pour le magazine Trix en France. Ce qui m'a donné l'opportunité de bouger un peu partout en France et en Europe pour faire des reportages pour le magazine. En 2000, je suis venu m'installer ici à Barcelone. Encore plus de photos parce que voilà, Barcelone, c'est la capitale du monde du skate. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé ça, l'image. J'ai fait un CAP photographe. J'avais quoi? Je devais avoir 18 ans. Donc ça fait au moins 20 ans que je fais de la photo non-stop. Pour ce qui est du skate, en fait, j'ai commencé à skater dans mon quartier, au Chesnay, avec des jeunes du quartier. Alors, en 1997, je suis allé à Bourges avec mon ami Nicolas Malinowski pour faire un skate camp. Durant ce skate camp, en fait, j'ai rencontré un photographe qui s'appelait Nicolas Malinowski aussi, et qui lui était de la vieille école et qui faisait du skate, de la photo de skate depuis des années. Et lui m'a vraiment montré comment vraiment faire de la photo de skate, la photo en mouvement, utiliser les flashs et tout ça. C'était une bonne école pour moi. C'est en 2002 où le magazine Trix a arrêté de fonctionner et depuis je travaille plus comme freelance. Je fais des photos à droite à gauche et j'essaie de les revendre à plusieurs magazines comme Kingpin, Soma, Sugar sur la France. Mon premier appareil, je crois que c'était un Canon AE1 ou quelque chose comme ça. Avec celui-là, je faisais plus du portrait et du paysage. Après, j'ai évolué justement quand j'ai commencé vraiment à faire de la photo de skate. J'ai pris un appareil un peu plus haut de gamme pour pouvoir faire de la séquence. Mais à l'époque, c'était des séquences en film, donc ça coûtait très cher. Et il fallait être sûr de son coup pour faire des séquences. Il y a 2 ans où j'ai investi dans un vrai bon appareil, le Nikon D800 là, avec lequel je travaille, avec lequel je peux faire des photos, filmer, ce qui fait que mon travail peut aller plus loin que juste la photo quoi. Je continue quand même à faire de l'argentique. Avec moi, j'ai un Hasselblad, le C500 typique que tout le monde a aussi. Avec la vidéo, c'est une longue histoire parce que en fait, j'ai mon père qui est réalisateur pour la télé depuis toute sa vie. Et c'est lui qui a réussi à me convaincre à me mettre à la caméra. Donc j'ai commencé à filmer, à faire plusieurs documentaires avec lui et donc à me faire la main vraiment au niveau télévisuel. Après justement, donc j'ai eu cet appareil, ce qui m'a permis de me lancer vraiment dans la vidéo moi-même pour pouvoir faire les images que je voulais. À un certain moment où j'ai rencontré un rappeur d'ici, là, NS. Avec lui je travaille depuis maintenant 4-5 ans où j'ai fait une bonne vingtaine de clips déjà en 2 ans. Tout petit, moi j'ai toujours dessiné, j'ai toujours adoré ça et dessiner un peu ce que je voyais ou mon imagination. En fait, j'ai pas eu mon diplôme à cause de la matière du dessin, ce qui m'a un peu énervé, donc j'ai complètement arrêté de peindre pendant au moins 10 ans ou de dessiner. Je me suis plus concentré sur le skate, la photographie. J'ai fait une première expo à Paris où moi j'exposais des photos et j'ai rencontré des graffeurs assez connus d'ici comme Pes, El Chupete, Le Chat Noir.
Et en fait, le fait de faire cette expo avec eux et de voir leur art et leur évolution, ça m'a donné envie de me mettre à la peinture. Ma grosse influence, en fait, a été un voyage en Bolivie que j'ai fait, où je suis allé voir plusieurs temples incas. Et un autre voyage au Mexique aussi, où je voyais donc les Mayas, et ça c'est des cultures qui m'ont vraiment intéressé. Une vision du monde complètement différente que du monde d'aujourd'hui. Une manière de vivre beaucoup plus simple, comme on dit. Il y a quelques années, je suis allé voir le musée Dalí à Figueras. Et ce musée est vraiment incroyable. C'est un musée que je conseille à tout le monde. Et on est ici à Barcelone et Dalí est une grosse influence. J'ai beaucoup dessiné dans les dernières années jusqu'au moment où j'ai trouvé mon propre style. Ce qui a fait que les gens ont commencé à être un peu plus réactifs. J'ai commencé à faire quelques expositions ici dans des bars à droite à gauche pour montrer un peu mon travail au public. J'ai été contacté par plusieurs marques ou plusieurs magasins d'ici là où j'ai fait quelques designs de planches. En fait, j'ai commencé beaucoup à peindre sur toile à l'époque comme tout le monde. Mais j'en ai eu un peu marre et j'ai vu que j'avais beaucoup de planches de skate chez moi qui servaient à rien. Et je me suis dit bon bah pourquoi pas essayer de les utiliser. Les différentes étapes pour mes sculptures, je commence toujours à faire un dessin au stylo noir sur un papier blanc, tout bête. Je continue les lignes à droite à gauche et voir comment ça continue, quoi. Après, les dessins que j'ai, j'essaie de les adapter selon combien de planches je peux mettre ensemble. Je prends le dessin, je l'agrandis, je le dessine d'abord une première fois sur les planches. Donc après, je le recalque de l'autre côté pour avoir la symétrie. Je dois refaire tout le dessin entièrement au stylo. Donc là, je commence la phase de découpage. Donc là, je me mets dans mon atelier, j'ai plusieurs étaux à la scie sauteuse. Et voilà, c'est petit à petit, chaque petit bout avec beaucoup de patience. Après ça, commence la phase justement de peinture, où je choisis les couleurs. L'idée des dessins, en fait, c'est un peu freestyle. La première que j'ai fait, c'est l'aigle en 2010, donc c'était la première. Maintenant, j'ai cet atelier-là, donc je peux en faire beaucoup plus. Le message que j'aimerais passer avec ces sculptures, justement, c'est que vu que mon inspiration vient un peu, justement, comme je disais, des cultures mayas, incas, qui sont inspirées de la terre, le soleil, la nature, qui sont des choses que pour eux qui étaient très importantes. Je pense que j'aimerais bien revenir à ça, pousser un peu les gens aussi à faire du recyclage, à utiliser un peu, plutôt que de jeter tout ce qu'ils ont et qui est un peu vieux chez eux, de les jeter à la poubelle, et ce qui fait que ça pollue un peu toute notre planète, essayer de les réutiliser d'une autre manière. Tout est recyclable d'une manière ou d'une autre, il faut juste avoir un peu d'imagination et se bouger un peu les fesses, c'est tout.